Bon ami, la famille, j'espère que vous vous portez bien. Merci s'il vous plaît de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Et vous connaissez le concept, c'est sans partage et on lance le live. Bolo, monsieur Stéphane Bavangui. La famille sans partage. À sans partage, on lance le live. L'actualité m'oblige à sortir. À chaque fois qu'ils procéderont à la manipulation du peuple avec leur faux Ali Bongo, nous allons parler. Nous sommes dans une guerre de communication. Lorsqu'ils frappent, nous aussi nous frappons. Merci de partager, s'il vous plaît. Prière de partager. Merci de partager sur WhatsApp. Je sais qu'il y a mes éléments qui sont sur WhatsApp, qui sont déjà là sur le direct. Mais je vous envoie également le lien pour que vous puissiez partager à vos contacts. Mettez en story sur WhatsApp. Le peuple gabonais tout entier doit savoir ce qui se passe. Les Gabonais ont revendiqué les audios. Je suis de retour en audio. Après le live, je vais partager l'audio sur WhatsApp. Nous allons asphyxier ces terroristes qui sont illégitimement à la tête de notre pays. John Costaud, cousin, je compte sur toi pour les partages dans tous nos groupes. Merci également de mettre des cœurs et des pouces pour sécuriser le live, la famille. Je ne vois pas de cœurs et des pouces sur le direct. Ça ne coûte rien. Oh.
Donnez-moi s'il vous plaît une minute. Je suis en train d'effectuer quelques partages là. Il y a Jeff Koumba qui a dit au Gabon, nos combattants sont en exil. Ah, Mandela est un pur produit d'un combattant. Ici, on vous regarde seulement. Jeff Koumba. Non, 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 tous vos combattants ne sont pas en exil. Monsieur Jean-Rémy Yama est un combattant, il est en prison et tu n'as rien fait, Jeff Koumba. Hervé Mongo Kinga était un combattant, il était au Gabon, tu n'as rien fait, il a été assassiné. Merlin est là, c'est un combattant, il est au Gabon, il est emprisonné. Je t'ai jamais vu faire une publication pour demander sa libération. Consti Ondor, c'est un combattant, il est en prison. Jean Bosco Bungumu Boulanga, c'est un combattant, il est en prison. Tu n'as jamais rien fait, champion. Tous vos combattants ne sont pas en exil. Et tous les activistes que vous voyez faire des vidéos ne sont pas des combattants. Beaucoup sont des pions du système. Beaucoup sont des pions de la France. Tous vos combattants ne sont pas en exil. Lui, Patrick Mombo, était un syndicaliste, c'est un combattant. Il a été assassiné, tu n'as rien fait. Champion, voilà. Quand tu es lâche, ferme ta gueule, c'est tout. Ok? Tu fermes ta gueule et puis tu vois les autres se battre. Tous nos combattants sont en exil. Et tu es content de dire ça, tous nos combattants sont en exil. Nous avons des combattants qui sont au pays. Landry Hamer était aux États-Unis, il est rentré au Gabon. On l'a arrêté, tu n'as rien fait du tout. Donc ferme ta gueule, frère. Tu es un lâche, ferme ta gueule. Oh Mandela, Mandela. Parce que vous pensez que Mandela, c'est ce que les Blancs vous ont fait croire. On vous a présenté Mandela comme un héros, c'est un grand héros. Mandela, c'était un traître. En Afrique du Sud, la vraie combattante, c'était Winnie Mandela, la femme de Nelson Mandela. Mandela a été élevé par les Blancs. Et Samora Machel, j'imagine que tu ne connais pas, parce que tu es dans les débats des bars. Samora Machel, c'est un révolutionnaire, un plus grand combattant que Mandela, 100 000 fois. C'était le président du Mozambique. Il a dit, le jour où l'homme blanc parlera de moi en bien, sachez que je vous aurai trahi. Et ceux qui ont élevé Mandela, ce sont les Blancs. Quand les Blancs parlent bien d'un dirigeant africain dans leurs médias, dans tous leurs médias, quand ils élèvent un Africain, un Noir, c'est que cet Africain-là est un ennemi des Noirs. Et il suffit de regarder aujourd'hui l'état de l'Afrique du Sud pour comprendre que Mandela, c'est un traître qui a vendu son peuple. Il a vendu le pays aux Blancs. Mais on vous a zombifié. Les Blancs vous ont fait croire que Nelson Mandela, c'est un héros. Mandela était un traître de la cause du combat du peuple noir. Un franc-maçon. L'un des plus grands francs-maçons de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui sort de prison après 27 ans, mais qui a atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie. On vous a menti. Vous ne savez pas que le monde est dirigé dans le mensonge. Quand on parle des vrais combattants en Afrique du Sud, c'est Steve Biko, Steve Bantu Biko, il faut te renseigner. Oh, Mandela était. Mandela, c'était un traître. Et Winnie Mandela, une héroïne. Voilà pourquoi elle est attaquée par les médias des Blancs. Mandela. Tous nos combattants sont en exil. Oui, il faut que tous vos combattants soient au pays. Il faut qu'on les assassine. Il faut qu'on les emprisonne. Il faut qu'on les sodomise dans les prisons. C'est ce que vous voulez en fait. Moi j'ai ma mission. Ma mission elle est divine, je vous le dis toujours. Dieu a décidé de me faire sortir du Gabon.
Il a dit, toi, sors, tu seras plus utile, vivant qu'emprisonné ou mort. Sors, tu vas porter véritablement la voix du peuple. Parce que beaucoup seront des traîtres. Beaucoup vont se servir du combat pour recevoir des bongos CFA. Beaucoup vont continuer à mentir au peuple. Toi, sors du pays, ça va être difficile. Tu vas être réduit à la mendicité. Mais sors du pays, porte la voix du peuple. C'est ma mission. Vous allez dire tout ce que vous voulez. C'est ma mission. C'est ma mission, frère. Tu vas souffrir de me voir parler en exil. Et le jour où il y aura une insurrection populaire, le jour où les Gabonais décideront de se lever comme un seul homme, tu me feras au Gabon. Mais mourir inutilement, non. Si aujourd'hui je rentre au Gabon et qu'on m'emprisonne ou m'assassine, mon frère, tu n'auras plus 10 véritables combattants gabonais. Tu n'en auras plus, frère. Parce que nous n'en avons pas beaucoup. Mais ils envoient leurs espions venir dire au moins d'amitié, on a besoin de toi au pays, faut rentrer au pays, faut venir, on va se battre sur le terrain politique. Parce que leur objectif, c'est de faire assassiner au moins Amici, la voix qui dérange. Merci la famille de partager le live massivement. On va faire trembler les murs de la présidence. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live. J'étais au Gabon, j'ai dit aux Gabonais, désobéissance civile, paralysie de tous les secteurs d'activité. Parce que la paralysie de tous les secteurs d'activité est l'arme par excellence pour la libération du Gabon. L'arme par excellence pour la libération du Gabon. La paralysie de tous les secteurs d'activité. J'ai commencé à le dire, j'étais au Gabon champion. Le champion Jeff Koumba qui vient dire nos combattants sont en exil. Non, j'étais au Gabon. Je ne suis pas né en exil. Je ne suis pas là en exil pour faire du tourisme ou faire des études. Je ne suis pas venu en exil pour me chercher, pour construire ma vie ou quoi, non. C'est pour sauver ma vie que je suis sorti. Et parce que c'est ma mission. Dieu a dit, toi, sors du Gabon. Va continuer le combat à l'extérieur. Porte la voix du peuple à l'extérieur. Et nous, on vous regarde seulement. Continuez à nous regarder. Continuez à nous regarder en commentant les histoires de sex tape, en parlant des histoires, en passant des longueurs de journée à parler de football. Continuez à nous regarder. Continuez à nous regarder tout en mourant dans la misère, tout en continuant à travailler sans percevoir vos salaires, sans percevoir vos pensions. Continuez à nous regarder. Parce que c'est nous, en fait, le problème du Gabon. Le problème du Gabon, ce n'est pas les cancres qui ont pris le pays en otage. Le problème du Gabon, c'est les combattants qui sont à l'extérieur. Il y a plein de combattants au Gabon, de vrais combattants au Gabon. Ils ne sont pas connus parce qu'ils ne font pas beaucoup de vidéos comme ces commerçants qui font les vidéos sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Voilà. Mais nous avons des vrais combattants dans notre pays.
Excusez la famille, je suis grippé. Hein. Maximum de partage la famille, merci de partager, merci de partager, 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 l'heure est grave. L'heure est grave la famille. Madame Pourou. Ah, mes frères du Haut-Touré, vraiment. Ah, le Haut-Touré. Nous allons parler de nos frères du Haut-Touré ce soir. J'ai un message pour vous. J'ai vu de ces vidéos-là qui m'ont fait mal au cœur. Je dis, ah, vraiment, c'est compliqué. Ah, les choses du Gabon. Merci infiniment à tous ceux qui mettent des cœurs et des pouces sur le direct. Merci infiniment. On y va. S'il vous plaît, Sandrine de Brandon présente. S'il vous plaît, partagez le direct au maximum. Au maximum, s'il vous plaît. Partagez sur Messenger, WhatsApp, dans tous nos groupes gabonais, tous nos groupes africains. Darwin Ulrich est présent. Mama Adèle Mboto présente. Serge Ongoula, Mombalo présent. Brice Bounzilemi, quoi, dit que j'ai plus de forfait. Ok. Ali Bongo est mort. Emma Robian confirme. Bassé. Le cheval blanc Mustang a dit bonsoir, mon petit frère. Comment tu vas aujourd'hui? Beaucoup de courage à toi et force à toi. Tu es sur le droit chemin. Merci infiniment. Je me porte comme un Gabonais assoiffé de liberté. Mon désir de liberté n'a pas maigri. Bien que souvent psychologiquement atteint par l'inconscience, l'insouciance, l'antipatriotisme des Gabonais. Jeff Koumba, c'est un conte bongoïste. Bonsoir Yann MKG, les gars, maximum de cœur et de cœur et de pouces sur le direct. Il faut sécuriser le live, il faut donner une bonne visibilité au direct et s'il vous plaît, pardon, partagez, partagez, partagez. Logiquement aujourd'hui on devrait être à 200 partages avant de commencer le live. Partagez au max s'il vous plaît, partagez au maximum. On doit atteindre plus de 400, 500 partages sur le live. Je ne vois pas encore mes éléments là, vraiment ma Nathalie me manque beaucoup. J'ai une sœur là, Nathalie, quand elle est là c'est la machine, mais elle est très malade ces temps-ci, que Dieu étendre sa main sur elle. Mbolo, Paul Thierry, Monsieur Awenguna. Oh, je vois mon oncle ici, Papa Claude Nzé. Merci la famille, merci, merci, merci de mettre des cœurs et des pouces et merci de partager le live. Merci de partager le live au maximum. Je crois que les gars sont là en train de signaler le direct. Faites-moi signe si vous me recevez bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai regardé un direct sur la page de Dynamique Unitaire
Il devait avoir la déclaration, une déclaration du SNEC, donc le syndicat auquel, enfin, le syndicat dans lequel était M. Jean-Rémy Yama, était le président d'ailleurs. Donc ils ont voulu faire un live aujourd'hui sur la page Dynamique Unitaire et j'ai constaté que le direct était vraiment attaqué, vraiment, vraiment, vraiment attaqué. Donc voilà. Ok. Merci, on me dit qu'on me reçoit bien. Merci à Maman Nadia de partager le direct. N'ayez pas peur de partager le direct. N'ayez pas peur parce que c'est au moins la Vinci. Ils ne vous feront rien. Je vois Papa Jean-Jacques et Ingwa présents sur le direct. Bonsoir à Malion, Maman Nadia. Merci la famille, merci, 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 merci. Je vois Terry Roulio, soldat. Merci les gars, merci de partager le live. Donc comme je le disais, j'étais aujourd'hui sur la page Dynamique Unitaire pour suivre la déclaration du SNEC, donc le syndicat des enseignants-chercheurs. Monsieur Jean-Rémy Yama était le président, enfin, il est toujours le président jusqu'à présent. Et le direct était très 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 attaqué. Le direct était très attaqué, donc pardon, mettez les cœurs et les pouces au. Dida, c'est là. Les gars, maximum de partage dans tous nos groupes, les gars. Maximum de partage. Partagez au maximum. Même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur la page, même s'il n'y a pas 1000 personnes connectées sur le direct, mais les gens viendront regarder après le live, grâce à vos partages. Maximum de partage, s'il vous plaît. Dernièrement, on a laissé le direct il y avait 600 vues. J'ai vu qu'il y avait plus de 1500 personnes qui ont regardé, donc voilà. On partage, on partage, on partage, on partage. Chaque partage effectué est une balle tirée aux ennemis de notre pays. On refuse nos partages dans les groupes. C'est pas grave, ma petite soeur Merveille Moussounda. Il y a plusieurs personnes qui m'ont d'ailleurs écrit pour me dire que, mon ami, je constate que quand j'envoie certains de tes lives, des personnes sur WhatsApp ou en Messenger ou dans les groupes, ils me disent de ne pas leur envoyer tes lives et tout, ce n'est pas grave. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Même si je suis en désaccord avec une personne et comme on voit le live d'une personne avec qui voilà, le courant ne passe pas, jamais je vais écrire à une personne, on ne m'envoie pas. Non, je ne le ferai jamais. Parce que je trouve que c'est très petit. Parfois, on peut tirer des leçons de. Voilà, des interventions de certaines personnes, même avec qui le courant ne passe pas. Mais il faut être un esprit, un grand esprit pour comprendre ça. Que même lorsqu'on est en désaccord avec une personne, il y a des choses que la personne, voilà, peut dire et puis qui est importante, intéressante, qui peut nous apporter quelque chose. Mais pour arriver à ce genre de réflexion, il faut être un grand esprit comme moi. Donc voilà, si quelqu'un vous dit n'envoyez pas les lives de moi, la Vinci, ne faites pas ceci, laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Mais par contre, ils vont me respecter. Même s'ils ne m'aiment pas, ils me respectent. Ils savent qui je suis. Ok. Il faut continuer à insister. Il y a des groupes où ça va passer. Alice MNF est là. Il y a des groupes où ça va passer, il faut partager dans les groupes où ça va passer. Pas seulement les groupes gabonais, même les groupes ivoiriens dans lesquels vous êtes, les groupes camerounais, les groupes burkinabés, les groupes tchadiens, les groupes burkinabés, sénégalais. Il y a beaucoup de nos frères africains qui nous suivent. Aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux en fait sont un village. Donc les gens sont là, il y en a qui me suivent. Il y a une soeur un jour qui m'a dit qu'elle m'a connue, une soeur gabonaise, elle m'a connue grâce à un tchadien. C'est un tchadien qui lui a envoyé mes audios, qui lui a envoyé mes lives. Donc vous voyez un peu. Donc il faut partager. L'Afrique entière, le monde entier doit savoir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Voilà. Tout le monde doit savoir. Il n'y a pas que les Gabonais qui doivent nous suivre. Parce que moi-même, je ne parle pas que du Gabon. Je vois mon frère Matabot. Matabot, voici une nouvelle page. La nouvelle page est ici. Mouvement de libération du Gabon. C'est la page sur laquelle je fais mes lives. Une page exclusivement réservée pour mes lives. J'ai mon compte personnel, au moins la vie chez l'enfant du pays. Là-bas, je fais les publications. Mais les lives, c'est seulement et seulement ici. J'ai décidé de procéder comme ça pour protéger ma page. Parce que voilà, je suis victime depuis des années, victime de nombreuses attaques. Donc j'ai compris qu'il fallait dissocier maintenant
la page où je fais les commentaires, ou le compte personnel où je fais les commentaires sur les pages où je publie, et puis la page qui est exclusivement réservée pour les lives. En même temps, ça me permet rapidement aussi, lorsque je cherche un live, de retrouver... Voilà. Ça vous permet également aussi de retrouver des lives sur la page. Donc abonnez-vous sur la page pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vois ma CCF est là, ma star, Sylvana et Foi. Donc Bologna la famille, Bologna, Bologna. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Ne vous lassez pas de mettre des cœurs et des pouces pendant le live. Je vois mon petit frère Georges, a.k.a. Isolo Panafricaniste, présent. Donc, max de partage, les gars. Excusez. 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Donc la famille, je disais tantôt que à chaque fois que les pédagogistes procéderont à leur manipulation, je serai là pour répondre. À chaque fois qu'ils manipuleront le peuple, je serai là pour répondre. Maximum de partage, s'il vous plaît, pardon. Les Gabonais doivent suivre sur live. Demain, à la même heure, sur ce live, il faut qu'il y ait des milliers de vues. Les Gabonais doivent suivre ce direct. Mbolo à tous ceux qui nous regardent depuis leur maison, sur l'écran, avec... Voilà, famille, parents, amis et connaissances, tout ça. Parce qu'il y en a qui nous suivent, voilà, qui nous suivent en famille. Florent Tougou, Mbolo, je vois mon petit frère, Arisani, Kiki, Mbolo, petit frère. Monsieur Prince, welcome Réombi. Merci les gars de partager, les gars. Merci de partager. Ils ne vous feront rien. Il y en a qui m'ont dit au moins la 8, tiens, on te suit, on a peur de liker, de commenter, de partager, tout ça là. Partager, ils ne vous feront rien. Ce régime est asphyxié. Il est fragilisé, il n'y a plus rien en face de nous. Donc je disais qu'à chaque fois que les gars là vous feront une manipulation, nous répondrons. À chaque fois qu'ils vont manipuler le peuple, nous répondrons. Nous répondrons. Nous sommes dans une guerre. Et voilà, une nouvelle fois, manipulation du peuple. Cette fois-ci dans le Haut-Ogooué. Ah, mes frères du Haut-Ogooué. Banan pour vous. Mes frères du G2. Mes frères du G2. C'est pénible. Pendant qu'au Gabon, nous avons des jeunes Mivoulois qui n'ont pas pu passer leur examen. Qui n'ont pas pu se rendre au centre d'examen, au IEM. Parce qu'il n'y a pas de route. Ils ont été contraints de marcher dans l'eau. Certains avaient l'eau jusqu'au ventre, à la poitrine. Pendant que ces jeunes sont dans la difficulté pour passer leur examen. Parce qu'il n'y a pas de centre d'examen à Mivoul. Ils sont obligés de partir de Mivoul pour Oyen, le chef-lieu de la province du Walinken. Pendant que nos frères sont dans cette difficulté. Nos petits frères, nos enfants. Dans le Haut-Ogooué, nous avons nos frères altogouvéens qui sont en train de crier « Yali ». Président, il le crie à un imposteur qui porte un masque à l'effigie du défunt Ali Bongo. Parce que Ali Bongo est mort. Il n'existe plus. Ali Bongo est mort depuis fin octobre 2018.
Comment manipuler tout un peuple? Merci de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. Il doit y avoir plus de 400, 500 partages sur ce live. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, la famille. Ne faites pas comme si c'était un live quelconque. On parle de notre pays qui est insulté, piétiné. Regardez ce qui se passe dans le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, une province où il n'y a rien. Eux-mêmes, les Altogoviens, ont l'habitude de dire, oui, vous attaquez le Haut-Ogooué, vous attaquez toute une province à cause d'une même personne, à cause d'une famille. Mais comment on ne va pas parler, mon Dieu? Quand est-ce que vous exprimez votre mécontentement par rapport aux difficultés que vous connaissez, comme les autres Gabonais qui s'indignent? Quand est-ce? Vous dites non, voilà les Gabonais, vous attaquez le Haut-Ogooué, nous aussi, on connaît les difficultés. Maintenant, vous connaissez les difficultés, on vous présente quelqu'un qui n'est pas Ali Bongo. Tous les Altogoviens, vous savez qu'Ali Bongo est mort. Vous le savez? Vous savez que celui qu'on vous montre là, c'est pas Ali Bongo? Après, vous dites que les Gabonais, on s'attaque aux Haut-Ogooué, on s'attaque aux Altogoviens, on s'attaque... Oui, les Altogoviens aussi connaissent les difficultés, on est d'accord. C'est la vérité. Je suis allé dans le Haut-Ogooué. J'ai parcouru certains villages. Des endroits où il n'y a pas de dispensaire. Des endroits où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. Mais oui, il y a toujours le t-shirt du parti accroché à la vieille maison, tôt en haut, tôt en bas. Jusqu'à quand nos frères altogoviens vont se laisser instrumentaliser par la France, par cette famille? Parce que c'est la France, si je cite le nom de la France, c'est la France à travers ses services spéciaux qui font croire, voilà, à certains leaders altogoviens que si les Gabonais se révoltent contre ce régime, les Gabonais s'en prendront aux altogoviens, ce qui est un mensonge. Le Gabonais n'est pas quelqu'un de violent naturellement. Sinon, depuis, les Gabonais se seraient révoltés, il y aurait eu une guerre civile. C'est faux. Voilà ce que certains ont fait croire. Les réseaux français, les services spéciaux français, les bongos, ils ont fait croire aux altogoviens que si une autre famille prend le pouvoir, les altogoviens, voilà, on va attaquer les altogoviens. C'est faux. Nous rêvons d'un Gabon qui sera construit dans toutes les 9 provinces. Et le Haut-Ogooué, c'est la plus belle province du Gabon, la plus belle province touristique du Gabon. C'est le Haut-Ogooué. Donc il ne peut pas avoir de Gabon nouveau, un Gabon que nous allons reconstruire tout en excluant le Haut-Ogooué. Ce n'est pas possible parce que le tourisme rapporte de l'argent. Et si nous avions de bons dirigeants, le Haut-Ogooué serait un paradis sur terre. Mais regardez à quoi ressemble le Haut-Ogooué, vous aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir comme ça pour venir applaudir le sosie du défunt Ali Bongo? Pendant que nous avons le jeune Merki Akouye, professeur d'anglais décédé à Gamba, sans salaire ni pré-salaire. C'est une vie, un jeune Gabonais qui est décédé. Vous êtes là-bas en train de crier. Yali, président. Ah, oh, les frères du Haut-Ogooué, les gars. Veuillez me pardonner si j'ai été mal poli. Mais je ne crois pas. Je suis en colère, mais je retiens ma colère. Ça fait mal. C'est ce genre d'image-là, ça fait mal. Ça fait mal même à certains de mes frères altogoviens qui sont des combattants. Et j'ai observé un nouveau phénomène au G2. Bon, enfin, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais c'est une ancienne stratégie de certains frères altogoviens qui instrumentalisent les souffrances des altogoviens, des Gabonais, qui viennent faire le bruit à la veille des élections toujours pour dire le Haut-Ogooué ne sera pas avec vous, ceci, ceci, cela, parce qu'ils veulent recevoir des bongos CFA. Et là, il y a beaucoup là, qui étaient là, dans les rues, pour aller applaudir le sosie du défunt Ali Bongo. Nos frères du G2, vous aussi. Kabouni, jusqu'à quand? Vraiment, ils nous donnent l'impression qu'ils sont heureux. Nos frères du G2 nous donnent l'impression qu'ils sont heureux, que tout va bien. On leur donne des pannes, des t-shirts, ils sont là dans la rue. Vous dites, oui, les Gabonais, je vois les commentaires de nos frères du G2. Les Gabonais, vous attaquez le Haut-Ogooué, vous attaquez les Altogoviens, tout ça là. Mais nous aussi, on a aussi les mêmes problèmes que vous. Mais oui, quand on a les mêmes problèmes que les autres, on se révolte contre comme les autres. On se révolte comme les autres.
Ce qu'ils font là, avec le sosie là, ils ne peuvent pas faire ça dans toutes les provinces. Ils ne peuvent pas, c'est faux. Ils peuvent avoir la sécurité qu'ils ont. Ils ne peuvent pas prendre le risque de faire ce qu'ils ont fait dans le G2, là, dans toutes les 9 provinces du Cameroun. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont en terrain conquis. Même dans le Guayvino, qui est un bastion du PDG, quand ils ont amené leur fou Ali Bongo, il a été tenu à distance par rapport aux populations. Parce qu'il n'y a pas trop la confiance. Mais dans le G2, il y a la confiance. Voilà pourquoi on a vu le sosie venir esquisser des pas juste devant les femmes. Parce qu'ils savent qu'ils sont en terrain conquis. Ils ne peuvent pas aller à Port-Gentil, à l'homme baréné au pouvoir venir, et puis leur sosie là va venir comme ça là devant les Gabonais en train de danser. On va lui arracher le masque là. Ils savent ça. Au G2, ils savent qu'ils sont en terrain conquis. Voilà pourquoi vous avez vu le sosie venir esquisser les pas devant. Voilà les mamans kounabellistes qui souffrent sur le visage de la misère. Le visage crasseux. On sent que vraiment, elles sont pauvres. Même manger, c'est les problèmes. Mais celles qui viennent chanter les bongos. Depuis 1960, elles sont en train de chanter les bongos. Jusqu'à quand, vous aussi? Jusqu'à quand? Après, c'est vous qui vous plaignez des crimes rituels. Vous pensez que qui fait les crimes rituels? Qui sont ceux qui sont derrière les crimes rituels? Ce sont ces pédégistes, et vous le savez. J'ai vu de nombreuses vidéos, des audios de mes frères altogovernés qui se plaignent des crimes rituels dans le G2. Qui sont les commanditaires des crimes rituels? Mais ce sont les pédégistes. Et vous chantez pour ces pédégistes. Nous nous battons pour faire tomber ce régime. Et vous, aujourd'hui, vous vous présentez comme un obstacle devant ceux qui veulent libérer le pays. Vous décidez de nous empêcher de libérer le pays. Lorsque nous allons libérer le pays, c'est pour construire tout le Gabon. Tout le Gabon et peut-être le Haut-Ogooué en premier. Parce que c'est la plus belle province touristique de notre pays. Le G2, c'est un cadeau du ciel. Mais regardez à quoi ressemble cette province. Quand tout le peuple, les Gabonais sont en train de mourir, nos frères dans le G2 sont en train d'applaudir. Ils sont en train d'applaudir le sosie du défunt Ali Bongo. Parce que tous les Altogoviens, là, vous savez qu'Ali est mort. Vous savez ça très bien. Notre pays est dirigé dans le faux, l'usage de faux. Dans la manipulation, les terroristes qui sont à la tête du Gabon utilisent la diversion pour endormir le peuple, pour le détourner de la vérité, pour lui cacher la vérité. Et j'ai vu des Gabonais, Yajo Mamsi, j'ai vu des Gabonais aujourd'hui en train de... Voilà, en train de pleurer, Omar Bongo. Ce peuple est malade. Je suis des Gabonais en train de pleurer. Pleurer Omar Bongo. Quelqu'un qui est allé acheter une maison à plus de 400 millions, 500 millions de francs CFA à la Miss France, pendant que des Alto-Gouvéens, voilà, périssent dans la misère. Quelqu'un comme ça, là, il pleure. Oh, le grand président. Le bâtisseur. Si Omar Bongo était un bon président, le Gabon serait un paradis sur terre. Il a détruit le Gabon. Il n'était pas différent d'Ali Bongo. Il était pire même qu'Ali. Mais c'était un fourbe, un malin. C'est lui le père du système. Il est le responsable des malheurs des Gabonais. Avec la France. Qui, s'il vous plaît, la famille, qui
peut m'avoir une vidéo du discours du faux Ali Bongo devant les Panthères. Je suis en train de chercher. Voilà pourquoi j'ai tardé aussi pour lancer le direct. Il était prévu depuis 20h, mais je suis en train de chercher. Mais je ne trouve pas. Qui peut m'avoir, s'il vous plaît? Parce que j'ai vu qu'on nous a montré une photo. Merci, s'il vous plaît, de mettre des cœurs et des pouces sur le live pour sécuriser le direct, pour donner une bonne visibilité au live. Merci de mettre des cœurs et des pouces, mes éléments sûrs. Ceux qui ne commentent pas, mais qui sont sur le live, les gars, mettez au moins des cœurs et des pouces. Qui, s'il vous plaît, peut m'aider à trouver la vidéo du discours du fou Ali Bongo devant les Panthères? Le 26 janvier 2022, j'ai fait un live sur ma page. Elle est totalement détruite, mais le live est encore visible. Je l'ai partagé sur mon compte personnel. Le 26 janvier 2022 de cette année, j'ai fait un live après l'élimination de l'équipe des Panthères du PDG à la CAN au Cameroun. Et je disais que si le vrai Ali Bongo était vivant, il aurait reçu les footballeurs. Que s'il était vivant, il aurait été à la CAN. Et pendant cette même période, il y avait eu un sommet de la CEAC du côté du Congo-Brazzaville. Il n'avait pas été. Le 26 janvier 2022, le live encore sur mon compte, ma page au moins la Wichi, ma page Facebook, elle est restreinte, mais le live est là-bas. Ils avaient fait tourner les Panthères. J'avais reçu les messages de certains joueurs dont je tairai les noms. D'ailleurs, ils sont allés menacer les joueurs pour leur demander mais comment mon ami a eu des informations. Et du coup, j'ai certains frères qui ont pris leur distance avec moi et j'ai compris. Ils sont allés menacer certains footballeurs. Parce qu'après la CAN, les footballeurs étaient rentrés, on leur a dit, bon voilà, vous serez reçus par le président, bon, celui qu'on présente au Gabonais comme étant le président. Et finalement, ils n'avaient pas été reçus, ils ont été reçus deux fois par Osuka. Donc j'avais reçu ces informations des footballeurs et j'avais fait un live dessus, où je parlais du fait que celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo n'avait pas reçu les footballeurs. Ils nous répondent ce 8 juin 2022. Avec ces images que vous voyez, publiées sur la page de la présidence et le compte du défunt Ali Bongo. Mais je suis en train de chercher la vidéo du discours du sosie du défunt Ali Bongo. Parce que je vois bien là. Je vois qu'il y a un micro. S'il y a un micro en face du faux Ali Bongo, c'est qu'il y a bien un discours. Et je cherche la vidéo du discours. J'essayais de tourner là sur les réseaux sociaux, dans les médias et autres. Je n'ai pas trouvé la vidéo du discours. Je n'ai non plus trouvé des photos de celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo à côté des footballeurs. S'il y en a qui ont des photos du faux Ali Bongo à côté des footballeurs, faites-moi signe. Je crois que s'ils ont fait des photos avec les footballeurs... Ils ont peut-être choisi un seul footballeur pour prendre une photo. Un seul. Mais je cherche des vidéos où on le montre un peu plus proche des footballeurs en train de parler avec les footballeurs. Je cherche, mais je ne trouve pas. Mbolo, maman Muriel, merci à ceux qui viennent d'arriver. Prière de partager, s'il vous plaît. Nathalie CMMD a dit oui. Ali Bongo a dit oui. À chaque fois qu'ils feront une sortie pour manipuler le peuple, nous sortirons pour dire la vérité au peuple. Prière de partager au maximum pour toucher le plus grand nombre de Gabonais. Parce que si les Gabonais continuent à penser qu'Ali Bongo est en vie, c'est parce que nos activistes continuent à mentir au peuple qu'Ali Bongo est en vie. Ils continuent à parler du défunt Ali Bongo au présent. Tout Gabonais doté d'intelligence doit se poser la question pourquoi celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo est capable de parler lors d'un frauduleux sommet de la CEAC à Libreville, devant l'Assemblée nationale, au 12 mars, à la COP26, devant les militaires. Mais pourquoi ne parle-t-il jamais devant les journalistes? Tout Gabonais doté d'intelligence devrait se poser cette question. Doit se poser cette question. Je suis en train de chercher, je parcours les réseaux sociaux. Je me dis, mais tiens, où sont les photos? Parce que je peux tout de suite... En moins d'une minute, allez sur Internet et vous montrez des photos du défunt Ali Bongo de son vivant avec les footballeurs lors d'une rencontre. Ça ne va même pas me coûter une minute. Alors, je vous montre la preuve.
En moins de, voilà, en moins d'une minute, je trouve ça rapidement. Voilà. En moins d'une minute, en moins de 30 secondes, j'ai retrouvé ça. Là. Facile à retrouver. Ça, c'est le Defin Ali Bongo, le son vivant. Maintenant, je cherche des images du sosie avec les footballeurs. Mais je ne trouve pas. C'est bizarre. Ça, c'est le, voici le vrai Ali Bongo, le son vivant. Là, on voit là Lloyd Paloum et d'autres joueurs des Panthères. Bon, maintenant, essayez de me trouver ça. Je cherche des images. Je cherche la vidéo du discours du faux Ali Bongo devant les Panthères. Encore une manipulation. Notre pays est dirigé dans le faux, dans la manipulation. Leur objectif, c'est de nous mener jusqu'aux prochaines élections présidentielles avec ce faux Ali Bongo. Je me suis reposé, les gars. C'est bon. J'ai accumulé assez d'énergie. Parce que j'ai remarqué que les PDGistes ont pris un peu la grosse tête. Bon, moi, la Vichy, il ne fait plus trop des audios, il ne fait plus trop des lives. Mais les gars, c'est bon, je suis de retour. Après le live, je vais partager mon audio sur WhatsApp. Je compte sur mes éléments pour l'aider au maximum. Lorsqu'il y aura un seul Gabonais qui continuera à vous dire qu'Ali Bongo est mort, ce sera moi. Je ne céderai jamais à vos manipulations. Vous irez de manipulation en manipulation, vous prendrez qui vous voulez. Je sais qu'Ali Bongo est mort. Et vous savez que je sais. Vous avez réussi à manipuler et corrompre tous les activistes et leaders d'opinion, enfin les cyberactivistes, ceux qui font les vidéos. Vous avez réussi à manipuler, parce que je parle de manipuler, parce qu'il y a certains aujourd'hui qui disent Ali Bongo est mort, demain il change de langage, parce qu'il est manipulé, lui-même il n'est pas sûr. Certains se laissent manipuler, mais je suis resté constant, parce que je sais qu'Ali Bongo est mort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre le sosie, l'emmener se balader dans toutes les provinces du Gabon. Ali Bongo est mort, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Votre objectif là, c'est de mettre dans la tête des Gabonais qu'Ali Bongo est en vie pour nous mener aux prochaines élections présidentielles avec ce faux Ali Bongo. C'est ça votre objectif. Mais moi, vous me trouverez sur votre chemin. Vous avez intérêt à m'assassiner avant les élections. Parce que vous allez me trouver sur votre chemin. Je ne permettrai jamais, jamais, qu'un imposteur décédé, qu'un sosie, le sosie d'un imposteur décédé depuis, puisse gagner des élections. Même si c'est frauduleusement, puisse participer aux élections, je n'accepterai jamais ça. Jamais. Vous me trouverez sur votre chemin. Gaël, la force tranquille, lisse, volume. Frère, essaie d'augmenter le volume de ton téléphone. Là, les gars ont pris des photos des Panthères avec le faux Ali Bongo parce que leur objectif, c'est de faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Je vous ai dit, les gars, vous allez utiliser mille et une stratégies de manipulation. Je vais demeurer constant parce que je sais qu'Ali est mort. Et vous savez que je sais. Les gars, vous savez ça. Je ne vais jamais parler d'Ali Bongo présent. Jamais, au grand jamais. Parce qu'Ali est mort. C'est la France qui est derrière, qui tire les ficelles. Vous voulez soit nous imposer Noureddine Bongo ou Junior Bongo, que sais-je. Un autre Bongo, parce que vous pensez que le Gabon, c'est le village des Bongos, c'est la propriété des Bongos, le royaume des Bongos, comme Billy Binze l'a dit récemment, le contre Billy Binze, la monarchie, l'alternance politique n'est pas institutionnelle. Voilà, une manière de nous dire que le Gabon est une monarchie. Vous allez faire tout ce que vous voulez, les gars. Vous me trouverez sur votre chemin. C'est bon, j'ai pris du repos maintenant. Je vais reprendre du service. Mais sérieusement, nous allons vous asphyxier.
votre coup que vous préparez. Parce que c'est ça le coup. Amener les Gabonais jusqu'au prochain présidentiel avec ce faux Ali Bongo. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Je vois des maudits qui sont en train de mettre des têtes des morts. Votre objectif, c'est de nous amener à vos élections présidentielles avec le faux Ali Bongo. C'est ça votre objectif. Vous êtes en train de manipuler le peuple, endormir le peuple, distraire le peuple. Vous me trouverez sur votre chemin. Merci de partager au maximum la famille. Ceux qui viennent d'arriver, merci de partager le live au maximum. Les Gabonais doivent savoir ce qui se passe dans notre pays. Les Africains doivent savoir si certains Gabonais continuent à penser qu'Ali Bongo est en vie. C'est parce que les leaders d'opinion continuent à mentir au peuple qu'Ali Bongo est en vie. Une simple question suffit. Une seule question. Pourquoi celui qu'on présente aux Gabonais comme étant Ali Bongo ne parle pas devant les journalistes? Simple question. Voici la question que tous les leaders d'opinion, tous les influenceurs doivent se poser. Pourquoi depuis 2018, celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo ne parle pas devant les journalistes? Mais ça en story, sur WhatsApp, sur toutes les réseaux. Pourquoi celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo ne parle pas devant les journalistes? That's the question. Je refuse d'être de ces Gabonais qu'on manipule. J'ai vu des pauvres d'esprit dire pourquoi la France. Mais comment la France peut recevoir comment la France peut recevoir un faux Ali Bongo? Vous ne savez même pas que c'est la France qui est derrière ce complot. Vous ne savez pas que c'est cette France. C'est la France qui est derrière ce complot. Donc vous pensez en fait que la France est un bon pays. La France est votre ami. La France est gentille. La France, elle n'a rien à foutre de vous. La France est capable tout de suite de vous sortir même un sosie d'Omar Bongo et vous dire que bon, il n'était pas mort. Et puis voilà, vous le replacez au pouvoir. Et vous allez applaudir aussi. Vous allez croire. Si France 24 vient vous dire, bon, Omar Bongo n'est pas mort, il va reprendre le pouvoir et tout. Allez, vous serez content. Parce que dans vos têtes, vous êtes aliénés, vous souffrez d'un complexe d'infériorité pour vous. Tout ce qui revient de la France, c'est bien, c'est bon. La France est responsable de ce complot, de cette conspiration contre notre pays. Elle est l'origine même. C'est cette France qui a fabriqué le sosie avec le bouffon Brice Lacruche Alianga qui est en prison, qui est adulé par certains activistes, qui avait reçu des bongos CFA par certains journaleux. Les fabricants du masque, c'est la France, c'est le Maroc, les ennemis du Gabon. J'ai vu également une vidéo là, je crois qu'on me l'a envoyé, attendez. Hein. Pour ceux qui n'ont pas partagé le live, prière de partager le live, la famille, on doit être à plus de 300-400 partages après le direct, s'il vous plaît. C'est la toile, je parcours la toile là, non? On est totalement endormi, on est manipulé. Tous mes frères, même combattants, compagnons de lutte qui disaient Ali Bongo est mort, allez, c'est fini. Les garçons là, ils se laissent manipuler, les gars. Vous laissez manipuler pourquoi? Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Ali n'existe plus. Je vous dis la vérité, Ali n'existe plus, les gars. Celui qu'on vous montre là n'est pas Ali. Sylvia Bongo a un plan. C'est nous amener aux prochaines élections avec ce faux Ali Bongo. C'est le plan de Sylvia Bongo. Nous amener aux élections avec ce faux Ali Bongo et nous l'imposer. Et je demande aux gens d'être vigilants.
Regardez la stratégie des PDGistes en ce moment. Ils créent des conflits dans une administration et après, on vient présenter le faux Ali Bongo comme le sauveur. À travers les médias, par exemple, ils vont parler des problèmes des populations de, je sais pas, de Menouneux. Et après, ils vont envoyer le sosie comme la solution. Voilà ce qui s'est passé à la CNSS. Ils ont eux-mêmes bloqué les salaires, ils ont eux-mêmes bloqué les pensions, et après, ils ont fait sortir leur faux Ali Bongo. Ben, enfin, ils ont sorti un discours qu'ils ont attribué au faux Ali Bongo. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le discours du faux Ali Bongo parlant de la situation de la CNSS. Comme d'habitude, ils utilisent Gabon Mediatek. Vous voyez seulement une photo, et après, vous voyez le discours. Lui, Ali Bongo a dit ceci, je serai intransigeant par rapport à la médiocrité au sein de la CNSS. Mais on ne voit pas le discours. On attribue des propos au défunt Ali Bongo. Et on vient en balançant aux Gabonais. Personne ne voit le discours. Manipulation. Manipulation des intelligences. Nous sommes dirigés dans le faux et l'usage du faux. Leur stratégie aujourd'hui, c'est créer des conflits partout, créer des problèmes et après venir nous présenter le faux Ali Bongo comme étant la solution. Parce qu'ils sont en train de préparer les élections. Ils ont bloqué les Gabonais, emprisonné les Gabonais, piétiné les Gabonais pendant 2 ans. Ils ont marché sur nos libertés. Pendant 2 ans, les Gabonais étaient emprisonnés, le pays militarisé. Et après, ils ont envoyé leur faux Ali Bongo venir, voilà, se présenter en sauveur du peuple. Lorsqu'il est venu parler du déconfinement, allez, les Gabonais ont applaudi. Merci Yaya Ali, en 2023, on te vote. J'ai vu plein de publications comme ça. Les gars bloquent les salaires, bloquent les pensions à la CNSS. Et après, allez, ils envoient leur faux Ali Bongo se présenter comme le sauveur. Et là, on voit des retraités qui vont recevoir leur pension, qui diront merci Yaya Ali. Des travailleurs de la CNSS que j'ai déjà vu, un leader du syndicat des travailleurs de la CNSS, venez dire nous remercions le président de la République. Voilà leur stratégie. Là, ils sont en train de s'aimer le désordre à la Fegafoot. Et après, ils envoient leur faux Ali Bongo venir se présenter comme la solution. Ils feront pareil dans tous les ministères. Vous verrez là, allez, il y aura des problèmes partout. Et après, ils vont venir le présenter, le faux Ali Bongo, ils viendront nous le présenter comme étant la solution. Et les Gabonais vont applaudir. C'est de la manipulation, parce que les élections approchent. Sylvia Bongo compte nous amener à ces élections avec le faux Ali Bongo. Manipulation des intelligences. Attention. Attention. Restons focus, restons concentrés. Organisons-nous, mobilisons-nous pour la prochaine ville morte. La prochaine ville morte pour faire tomber ce régime. Je le disais dans mes propos introductifs lors de ce live. La paralysie de tous les secteurs d'activité est l'arme par excellence pour la libération du Gabon. Les actions de lutte non violente sont des armes par excellence pour la libération du Gabon. Parce que nous ne voulons plus que le sang coule. Si nous n'utilisons pas ces moyens de lutte pour la restauration de notre liberté, nous connaîtrons la libération par le feu et le sang. Et si le Gabon est à feu et à sang, ce sont nos ennemis qui profiteront. Nous devons nous organiser pour la prochaine ville morte. J'ai fait un live ici où j'avais parlé où je disais que j'allais contacter certains combattants pour que nous puissions organiser la ville morte, mais j'ai été triste parce que j'ai rencontré des hommes de peu de foi. Des gens qui m'ont dit non, c'est pas possible qu'on organise la ville morte, ça va être compliqué, on n'a pas des gens au pays sur place, des hommes de peu de foi. Nous avons beaucoup qui vocifèrent sur les réseaux sociaux là, que vous voyez faire le bruit, mais ils n'ont véritablement pas envie que le Gabon se libère. Il y en a beaucoup là sur les réseaux sociaux. Ils font le bruit en longueur de journée. Dès qu'ils se réveillent, ils font les publications. Tous les jours,
Mais ils n'ont véritablement pas envie de libérer le Gabon. Il y a des gens qui pensent que le combat pour faire tomber ce régime, c'est seulement venir parler, pleurnicher sur les réseaux sociaux, venir parler de la France, dénoncer les Bongo, mais sans agir. Voilà pourquoi je vous dis que tous les cyberactivistes ne sont pas des combattants. Notre combat ne se résume pas à parler. Notre combat nous oblige à passer de la parole à l'action. C'est par l'action qu'on se libère. Seule la révolte libère un peuple opprimé qui aspire à se libérer. Seule la révolte. Nous ne pouvons pas libérer notre pays en parlant, nous contentant de parler. Parler, pleurnicher, pleurnicher tous les jours. À un moment, on dit stop les gars, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on s'organise. Mais il y a beaucoup d'hommes de peu de foi dans le combat. Des hommes de peu de foi. Un frère qui me dit non, on ne peut pas appeler à la ville morte parce qu'on n'a pas des éléments sur le terrain. J'ai eu honte à sa place. Au fond de moi, j'ai seulement dit homme de peu de foi. Nous allons nous organiser pour la ville morte. Nous allons nous organiser. Bolo, ma mère à moi, ma Bettina, ma Mdine. Nos combattants pensent que le combat se résume à parler, non. Il faut passer de la parole à l'action. Nous avons des jeunes Gabonais au pays qui sont prêts. J'ai reçu un coup de fil récemment des jeunes Gabonais. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mon dernier live. Les jeunes, ils étaient une dizaine comme ça. Ils m'ont dit au moins David chez nous, on ne suit plus beaucoup les activistes de la diaspora. Tu es l'un des rares activistes que nous en suit encore. On veut juste te dire que frère, ça va bouger. Ici, lors des prochaines élections, ces gens-là vont donc tous nous tuer parce qu'on va se battre. Il y a des jeunes Gabonais qui sont au pays, qui sont prêts. Et nous qui sommes hors du pays, nous devons apporter des solutions, donner des moyens aux jeunes de pouvoir se battre. Pas forcément descendre dans la rue, parce que je vous dis bien que les actions de lutte non violente sont les armes par excellence pour la libération du pays. Cependant, nous devons poser des actions ciblées pour mettre le pays dans l'ingouvernabilité totale. Il y a des jeunes Gabonais déterminés, je vous dis la famille. Mais parfois, il m'arrive de pleurer parce que je suis impuissant. La détermination, elle est en moi. Il me manque les moyens de ma politique. Si j'étais un multimillionnaire, non. Ce pays-là, ces gens, ça n'allait pas dormir. Ils n'allaient pas dormir. Le Gabon devait être à feu. Tous les prix de pétrole, les ponts, il devait avoir l'ingouvernabilité totale. Les rues, les arbres, tous les jours allaient être coupés sur la nationale pour paralyser l'économie. Je salue au passage tous les soldats qui font dérailler les trains marchandises. Je répète encore, le déraillement des trains que vous voyez là, ce n'est pas à cause de l'état de la voie ferrée. Sinon, les trains voyageurs auraient déraillé. Il y a eu plus d'une dizaine de trains marchandises qui ont déraillé. Parce qu'il y a des combattants au Gabon qui sont dans l'ombre, qui mènent ces actions. Un jour, il y a des jeunes Gabonais qui m'ont écrit, qui m'ont dit, grand frère, nous on veut frapper sérieusement la voie ferrée là. J'ai dit, les gars, pardon. Il y a des Gabonais qui ont le sang aux yeux. J'ai dit aux gars, aux petits frères, que pardon les gars, pas les trains voyageurs, ce n'est pas notre objectif. Pas les trains voyageurs, les trains marchandises seulement, le mangalais seulement. J'ai discuté avec plusieurs jeunes qui disaient que quand nous on s'en fout, on frappe sur n'importe quoi. J'ai dit les gars, ne faisons pas ça. Dieu est avec nous. Notre objectif n'est pas de faire couler le sang. Il faut seulement frapper, frapper sur les trains voyageurs. Et à un moment, les gars ont frappé fort. Au point où la Comilog était obligée d'acheter plus de 300 camions. Parce qu'ils étaient dépassés par la situation. Ils étaient obligés d'acheter plus de 300 camions. Et c'est là où ils vous ont parlé même de la trans-gabonaise. Les gars voulaient maintenant aller prendre le manganèse depuis là-bas, depuis Mwanda, et envoyer ça jusqu'au port de Veno en passant par la route. Donc les actions même, les actions de sabotage de la voie ferrée là, allaient pousser les terroristes sur la tête de notre pays et la France à construire des routes. Ceux qui suivent l'actualité du pays s'en souviendront. La Comilog a acheté plus de 300 camions parce qu'il y avait une multiplication
de sabotage sur la voie ferrée. Tous les jours maintenant, les trains marchandises déraillent. La Comiloc et la CETRAG ont commencé à partager les terres agricoles. La Comiloc a partagé les terres agricoles dans le G2, du côté de Mwanda là-bas. Partager les terres agricoles. Parce qu'ils se sont dit là, ils savent que ce sont les Gabonais qui procèdent au sabotage. La CETRAG a partagé les vivres depuis Franceville, depuis Ovendo, jusqu'à Franceville, à toutes les personnes qui habitent aux alentours de la voie ferrée. En espérant que ça allait calmer les gens. Je vous ai dit que la voie ferrée que vous voyez là n'a pas été construite pour les Gabonais. Omar Bongo, il a frappé la poitrine, lui, j'ai construit le trans-gabonais. Il n'a pas construit ça pour les Gabonais. Le trans-gabonais a été construit par la France et Albert Bongo pour piller les ressources du Gabon. Si nous étions une résistance organisée, si nous avions des soutiens financiers, si nos opposants étaient véritablement déterminés à faire tomber ce régime, je vous dis qu'on aurait bousillé le trans-gabonais. Première chose à faire, bousiller le trans-gabonais pour freiner le pillage de la France dans notre pays. La voie ferrée que vous voyez partir de Franceville à Ovendo, cette voie ferrée-là n'a pas été construite pour vous. Vous passez en dernière position, les Gabonais. Les Gabonais qui pensent qu'on a construit ça pour qu'ils voyagent, vous passez en dernière position. La priorité d'abord, ce sont les trains marchandises. C'est à travers la voie ferrée qu'ils font passer notre or, qu'ils font passer notre marbre, qu'ils font passer notre bois. Voilà, toutes les matières premières qu'ils pillent, le fer, tout. C'est à travers cette voie ferrée. Si nous étions une résistance organisée, si j'avais les moyens de ma politique, j'aurais financé. On aurait bousillé sérieusement cette voie ferrée. Ça aurait freiné l'activité, le pillage de l'État terroriste français au Gabon, et ça aurait poussé ces terroristes à construire la route. Parce que la Comiloc était prête à faire la route. Elle avait acheté plus de 300 camions à cause des multiples déraillements des trains marchandises. Donc si nous bousillons la voie ferrée, ils vont construire la route. Ils feront la route. Donc bravo à tous les soldats sur le terrain, pas à ces bouffons lâches qui passent le temps à dire oui, vous parlez à la diaspora. Il y a des Gabonais qui sont là, ils sont dans l'ombre. Vous ne les voyez pas, ils ne font pas des vidéos. Parce que le combat ne se résume pas à venir faire du bruit tous les jours sur les réseaux sociaux. Le combat, c'est l'action sur le terrain. Voilà pourquoi je dis aux gens, je ne suis pas un simple cyberactiviste. Je suis un combattant, un militant, un révolutionnaire qui fait du cyberactivisme. Si j'avais les moyens de ma politique, je ne serais pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que j'aurais agi sur le terrain. Il fut un temps où j'avais des gens qui me donnaient des moyens pour poser des actions sur le terrain et nous l'avons fait. Malheureusement, il y a eu des personnes, des activistes au service de la France, au service des Bongo. Leur travail, c'est venir sur les réseaux sociaux, faire semblant de parler du Gabon, attirer les jeunes Gabonais qui veulent poser des actions au pays. Et après, quand ces jeunes-là rentrent en contact avec eux, ils vont livrer les jeunes au service de l'enseignement et après, on fait arrêter les jeunes. Du coup, ça a freiné nos actions. Nous avons perdu beaucoup de frères, beaucoup de combattants. Ils sont allés dans les geôles de la prison des Bongo. Parce qu'on a des activistes manipulateurs, suivis par des centaines de milliers de Gabonais qui sont convaincus que ce sont des vrais combattants, alors que ce sont des espions de la France, des espions des Bongo, des activistes que vous remarquerez. Vous remarquerez que ces activistes ne parlent jamais de la France. Si tu vois un activiste gabonais qui dit qu'il combat les Bongo et qui ne dénonce pas la France, sache que c'est un espion. Aucun combattant africain aujourd'hui, aucun combattant en Afrique francophone ne peut combattre les dictatures, nos régimes autocrates et ne pas dénoncer la France. Quand tu vois un activiste gabonais, comprends ça, mets-toi ça dans la tête. Quand tu vois un activiste gabonais qui dit combattre les Bongo et qui ne dénonce pas la France, champion, c'est un agent de la DGSE, des services de renseignement français. Ne va jamais lui écrire pour dire que frère, je veux poser des actions de sabotage ou ceci parce que tu es déjà dans la merde. Vous qui allez faire n'importe quoi, même vous, il y a des gens au sein du régime là-bas, au sein du régime, des gens qui vont donner des informations à des activistes. Vous ne savez même pas que les activistes ont travaillé avec vos patrons. Voilà comment vous faites virer du gouvernement.
vous faites virer de vos postes. Il est mieux pour vous de venir parler à un homme à Michel qui vous dénonce ouvertement que de parler à ces activistes-là que vous voyez dénoncer les bongos qui ne parlent jamais de la France. Simple indice. Toi qui observes les activistes gabonais, quand tu vois un activiste gabonais qui ne dénonce jamais l'état terroriste français, champion, c'est un agent des renseignements. Et ils sont là plein sur la toile. Que vous annulez, vous ne vous rendez même pas compte. Ce sont des agents des renseignements français. Nous avons des Gabonais qui sont activistes pour la France, qui travaillent pour la France. Ce sont des activistes gabonais, mais des agents des réseaux français. Et vous allez souvent écrire à n'importe qui comme ça, dans les messageries, vous allez donner n'importe quelle information, et les gars vous baissent. J'ai des jeunes Gabonais avec qui je travaillais qui sont allés. Restez là les gars, on va se battre, on va trouver nos moyens pour poser nos actions. Voilà. Ils sont allés écrire à n'importe qui. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui en prison. Parce que les gens manquent de discernement. Comment peut-on aujourd'hui, en Afrique, être un combattant pour l'alternance politique au Gabon, pour la libération du Gabon, et ne pas dénoncer la France, ne pas dénoncer la gérance de la France, ne pas dénoncer les bases militaires d'occupation de la France, ne pas dénoncer le franc CFA, ne pas dénoncer le... je sais pas, comment dirais-je, le génocide culturel que nous impose la France, et même le génocide dans le secteur éducatif, parce que croyez-moi, ce système qui consiste à génocider l'éducation au Gabon est imposé par la France. C'est la France. C'est la France qui est derrière. Parce qu'une jeunesse gabonaise éduquée, instruite, est un danger pour la France. Donc c'est la France qui est derrière. Voilà, il y a mon petit frère Johan qui me dit j'ai été éjecté du live. Mais la famille, c'est parce que... Mettez les cœurs et les pouces. Mettez les cœurs et les pouces, s'il vous plaît, la famille. Mon grand frère, Yann Joël Mamsidi Bassé, on ne peut pas aujourd'hui dire, prétendre être un combattant pour la libération du Gabon et ne pas dénoncer l'état terroriste français. Parce que le premier ennemi des Gabonais, c'est d'abord leur antipatriotisme, ensuite c'est la France. Les bongos viennent après. Je disais aujourd'hui à un frère que chaque peuple mérite ses dirigeants. Et puis le frère m'a dit, si chaque peuple mérite ses dirigeants, pourquoi on nous vole les élections? Pourquoi on nous massacre? C'était suite au propos de du cancre Alain-Claude Billy Binzi. Je disais que chaque peuple mérite ses dirigeants. Parce que les Gabonais, après chaque... Après les massacres post-électoraux, les Gabonais vont s'asseoir dans les bars avec les militaires. C'est la preuve que nous méritons nos dirigeants. Ça, c'est pour réagir parce que je disais que le premier ennemi du Gabon aujourd'hui, c'est notre antipatriotisme. La preuve que chaque peuple mérite ses dirigeants et que nous méritons nos dirigeants, c'est que Jean-Rémy Yama en prison. Et ça ne suscite aucune indignation, alors que ce même peuple est capable de se réunir, aller à l'aéroport pour aller accueillir des joueurs des Panthères qui n'ont rien à foutre des problèmes des Gabonais. Nous avons un jeune compatriote, Merki Akouye, est décédé, ça ne suscite aucune indignation. C'est la preuve que nous méritons nos dirigeants, parce que c'est ce que veulent nos dirigeants, que nous puissions nous comporter ainsi. Ils sont même fans de bidon. Voilà. Des Français étaient au centre du plan d'attaque du QG du président Jean-Ping. Tout à fait. Les Français étaient. Si le peuple gabonais s'était révolté contre les bongos et qu'on avait le dessus, vous auriez vu les soldats français venir tirer sur le peuple, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. L'attaque du QG s'est déroulée juste à côté de la base militaire française, à un jet de pierre. Mais si le peuple gabonais avait pris le dessus
sur les bongos, vous auriez vu les terroristes français qui sont dans notre pays venir tirer sur nos peuples. Parce que c'est dans leurs accords coloniaux, c'est dans les accords. Les accords que les bongos, que les valets dirigeants africains ont avec la France. C'est dans leurs accords. Omar Bongo, le défunt terroriste Omar Bongo, le son vivant l'avait dit. Que si je suis attaqué, automatiquement la France réagit. Et vous avez remarqué qu'Omar Bongo, il habitait à côté de la base militaire française. Et en bas, il y a un passage souterrain qui, voilà, qui lui permettait de partir de chez lui jusqu'à la base française. Et là, après, il était exfiltré. C'est dans les accords coloniaux. C'est dans leurs accords. La France a ses bases militaires dans toutes ses colonies françaises d'Afrique pour maintenir ses valets à la tête du pays ou pour destituer un valet qui se détourne d'elle. Donc si aujourd'hui, comme je vois certains dire que oui, il n'y a plus, le courant ne passe plus entre la France et les Bongos, ça me fait rire. La France, en moins de 2 heures, la France fait sauter. S'il n'y a plus d'entente ou si les Bongos se détournent de la France, en moins de 2 heures, la France fait sauter le président, en moins de 2 heures. Désolé. En moins de 2 heures. Donc la France a ses bases militaires d'occupation pour maintenir ses valets ou pour les destituer. Mais elle nous fait croire que, voilà, ces bases militaires sont là pour protéger ses intérêts. En fait, ce qu'elle appelle ses intérêts, c'est voilà, c'est le pillage qu'elle effectue, et puis en même temps, les valets voilà, qu'elle place à la tête de nos pays. C'est ça, ses intérêts. Et vous avez des activistes gabonais qui sont incapables de dénoncer l'ingérence de la France, le pillage de la France, les crimes de la France. Des activistes gabonais que vous adulez. C'est pas possible. Parce que nous ne pouvons pas mener notre peuple à la libération si notre peuple n'est pas conscient qu'il est sous domination française. Nous ne pouvons pas mener les Gabonais à se libérer si les Gabonais sont convaincus qu'ils sont indépendants alors qu'ils ne le sont pas, ils sont très loin de l'être. Les Gabonais ne sont pas indépendants. Mais voilà, on nous a mis dans la tête que le 17 août, c'est la date de l'indépendance du Gabon. Nous sommes un peuple indépendant, nous sommes indépendants, nous sommes indépendants. On nous a martelé ça au point où nous sommes convaincus que nous sommes indépendants. Ce qui fait en sorte que nous avons du mal à nous révolter contre l'impérialisme français. Tant que nous continuerons à croire que nous sommes indépendants, nous n'aurons jamais notre indépendance. Si tu crois que tu es libre alors que tu es esclave, tu ne te battras jamais pour ta liberté. Il nous faut aujourd'hui des leaders d'opinion qui continuent, qui vont marteler au peuple, qui vont asphyxier le peuple en lui disant que tu n'es pas libre. Le 17 août n'est pas la fête de l'indépendance. Tu n'as jamais eu d'indépendance. Tu n'es pas indépendant. Cependant, il ne faut pas enlever à nos pères leur mérite. Ils se sont battus pour que nous ayons le semblant d'indépendance que nous avons. Mais nous ne sommes pas indépendants. Méfiez-vous. Méfiez-vous de tous ces activistes qui prétendent dénoncer les bongos, mais qui ne dénoncent pas les puissances terroristes occidentales qui sont le mal du Gabon. Parce que le Gabon aujourd'hui est victime d'une conspiration internationale. Derrière, il n'y a pas seulement que la France ou le Maroc. Il y a également l'Angleterre, cette nation vicieuse, sournoise, celle qui agit dans l'ombre. Il y a les États-Unis, on l'a vu, avec Joe Biden qui a invité le sosie du défunt Ali Bongo. Ils sont tous derrière. Parce que le Gabon a d'immenses richesses. Les Gabonais ne le savent même pas. Le Gabonais ne sait pas. Il y a même des Gabonais qui te disent que le Gabon est riche, mais il n'a pas conscience que le Gabon est riche. Le paradis sur terre, c'est cette zone des grands lacs, cette zone d'Afrique centrale, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, c'est le paradis sur terre, la RDC, l'Angola, le Congo, Brazza.
Ces gens-là nous en veulent. Et la différence du Gabon avec les autres pays, nos pays frères, c'est que nous avons d'immenses richesses. Notre pays est un scandale géologique et nous sommes une faible démographie. Du coup, ces puissances terroristes occidentales veulent nous détruire totalement. Aujourd'hui, ils ont un plan. Remplacer les enfants du Gabon par des enfants venus d'ailleurs qui n'ont aucun amour pour la terre. Pour notre terre, pour notre pays. Ils sont en train de nous exterminer. Je dis depuis des années que nous vivons un génocide voilé, programmé, pour exterminer les vrais enfants du Gabon. Notre pays est immensément riche. La pauvreté ne doit pas exister chez nous. Tout à fait, la France est le bras droit des États-Unis dans les crimes en Afrique. Oui, la France est le bras droit, la France travaille pour les États-Unis. La France travaille pour les États-Unis. C'est la France qui est mise en avant, mais derrière, il y a les États-Unis. Dans le franc CFA, là, les États-Unis ont leur part. On a vu Di Maio, le ministre des Affaires étrangères italien, là, faire beaucoup de bruit. Là, j'ai vu des Africains applaudir. J'avais dit qu'attention, le bruit qu'il est en train de faire, là, c'est parce qu'il veut que l'Italie puisse avoir sa part dans le pillage de l'Afrique par la France. C'est tout. Et récemment, il a fait une sortie. Il a fait une sortie, lui, il confirme. C'était du bruit, simplement. C'était du bruit. Les Occidentaux ne seront jamais les amis des Africains. Ils ont mal au cœur. Ils nous en veulent. Ils veulent détruire l'Afrique. Parce qu'ils savent que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Les Occidentaux aujourd'hui veulent détruire le Gabon, massacrer tous les Gabonais, remplacer les Gabonais par des Oseni Ossa, par des Lee White, par les Keranga. On veut remplacer les vrais enfants du Gabon par des étrangers. Nous avons des Blancs devenus ministres, qui sont devenus Gabonais, qui sont maires. Claude César Lory, voilà les Gabonais, les noms des Gabonais maintenant. Keranga, Claude César Lory, Akromessi, voici les noms maintenant des Gabonais. Ils sont en train de nous remplacer, massacrer le peuple. Parce que notre pays a d'énormes, énormes, énormes richesses. Depuis le 24 octobre 2018, nous sommes victimes d'une conspiration. Ali Bongo est mort à Riyad. Ils ont pris patience d'Abani parce qu'au moins Da Vinci a fait plusieurs audios, plusieurs lives pour dire oui, on ne montre pas. Patience d'Abani a refusé d'approcher le sosie. Depuis octobre 2018, c'est en 2022 que vous avez vu Patience d'Abani à côté de ce sosie. À la veille des élections présidentielles. Là, elle a reçu des centaines de millions parce qu'elle aime l'argent. Elle a près de 80 ans, mais elle aime toujours l'argent, elle ne sait pas où elle va aller avec. Elle est plus proche. Elle est proche de la mort, mais elle aime l'argent. La Patience d'Abani a reçu des centaines de millions de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo met la pression sur la famille. Elle met la pression sur la famille, sur les Bongo. Elle leur dit, si vous me lâchez, les Gabonais s'en prendront à vous. Patience d'Abani a reçu l'argent pour aller faire le cinéma avec le sosie. Il y a Joël Momsi et tous les résistants, les gars. Restons constants. Mon frère Paemka, tous les combattants, tous ceux qui savent qu'Ali est mort, parce que nous le savons, ne nous laissons pas distraire par les multiples manipulations qu'ils feront. Ils vont mettre le sosie dans une voiture, faire le tour du Gabon. Ils prendront les Gabonais qui n'approcheront jamais le sosie. Ils les mettront dans les rues pour applaudir.
pour nous fragiliser mentalement. Mais moi, ça me rend plus fort quand ils le font. Même si je suis dans l'ombre, dans le silence, même si j'ai plus envie de parler de résistance, quand ils font ce genre de choses, ça me donne la force et je ressens. Je vous ai dit après le like, je partage mon audio sur WhatsApp. Ceux qui veulent partager l'audio sur WhatsApp, mon numéro c'est le +1 802 231 0430. Écrivez-moi sur Messenger, écrivez-moi en privé sur la page, je vous donne mon numéro WhatsApp. On va faire du bruit, nous allons partager au maximum. Notre message pourra toucher un Gabonais qui a un bon fusil et qui va allumer une balle à ce sosie dans la tête. Parce que je sens que ça là, ça risque d'arriver. Comme ils ont décidé de beaucoup sortir le sosie pour manipuler les Gabonais, il va recevoir une balle à la tête. Celui qui joue, c'est Oseni Osaouki ou Billy Binze qui porte le masque. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a également le bouffon là qui est président de l'Assemblée nationale, Boukoubi Faustin, qui porte le masque. L'un d'entre vous va ramasser une balle à la tête. Le numéro WhatsApp, +1 802 231 0430. De toutes les façons, c'est sur ma page. C'est sur toutes mes pages. Vous tapez au moins la Vinci, le mouvement de libération du Gabon. Sur toutes mes pages, il y a mon numéro de téléphone. Ou vous m'écrivez juste en messagerie privée sur la page, je vous l'envoie si vous n'avez pas retenu. Ceux qui n'ont pas reçu le témoignage de l'agent de la GR qui est en exil, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer l'audio. Vous allez partager. C'est toujours d'actualité, on doit faire tourner cet audio. C'est sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Vous tapez juste sur YouTube au moins la Vinci et abonnez-vous sur la chaîne aussi. Voilà. Voici ma chaîne YouTube. C'est renversé. Au moins la Vinci, vous me trouverez. Gabon, un agent de la GR en exil. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas écouté les révélations de l'agent de la GR en exil qui parle du décès d'Ali Bongo, vous allez sur YouTube, vous tapez Gabon, un agent de la GR en exil fait des révélations sur le décès caché du tyran Ali Bongo. Vous trouverez cet audio là, c'est là-bas sur ma chaîne YouTube. Téléchargez la vidéo pour ceux qui peuvent. Partagez au maximum à vos contacts. Partagez au maximum. Cet audio-là doit toujours être d'actualité. Pour ceux qui ont déjà reçu l'audio sur WhatsApp, partagez encore, continuez à partager. Nous allons continuer à faire trembler les murs de la présidence. Dans cet audio, l'agent de la GR parle de l'empoisonnement d'Ali Bongo, parce qu'Ali avait été empoisonné. Donc Ali Bongo avait été surpris en train de sodomiser Noureddine. Il a été surpris par Sylvia Bongo. Sylvia, en complicité avec Brice Fargeon et autres, a décidé d'éliminer le défunt Ali Bongo par empoisonnement. Et il est mort à Riyad. Depuis octobre 2018, on nous cache le décès d'Ali Bongo. Les opposants ont été mouillés, les activistes ont été mouillés, les leaders de la société civile ont été mouillés pour continuer à parler au présent du défunt Ali Bongo afin de nous amener jusqu'aux prochaines élections présidentielles avec un faux Ali Bongo. Comme la France, Bongo, Rahuiri l'ont fait en 1967. Rahuiri, Ali Bongo et Albert Bongo ont assassiné Léomba, leur mentor, avec la complicité de la France. Pendant un an, le décès de Léomba a été caché. Ils nous ont menés aux élections en 1967 avec Albert Bongo, le centrafricain. Ils nous ont imposé Albert Bongo jusqu'en 2009. Il est décédé. On nous a annoncé son décès des mois après. On nous a imposé le Biafré Ali Bongo, décédé depuis octobre 2018. On nous cache son décès. Il procède à la manipulation. Nous avons vu plus de 100 visages, 100 différents visages de celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Il est capable de parler partout où il va, sauf devant les journalistes gabonais. Ce n'est là Ange Pambo.
Sinélange Pambo, toi qui étais proche du défunt Ali Bongo, pourquoi tu n'es plus proche de tu n'es pas proche de celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo? Pourquoi tu ne poses pas des questions? Armstrong Agaya de Gabon 24, pourquoi vous n'approchez pas celui qu'on vous présente comme étant Ali Bongo? J'ai reçu plein de demandes d'amis sur Facebook, là, des journalistes gabonais, parce qu'ils savent que je dis la vérité. Tous se posent la question, mais pourquoi lui, on ne lui fait plus des interviews? Tous. Ils sont là nombreux à me suivre, ils ont peur de liker, de commenter, de partager, mais ils me suivent. À chaque fois qu'il y a une sortie avec le faux Ali Bongo, ils cherchent à écouter ce que dira l'enfant du pays. Même s'ils ne likent pas, ne partagent pas, ils ne commentent pas, ils sont là, vous me suivez tous, autant que vous êtes. Et vous savez que je dis la vérité. Mais vous êtes un peuple lâche. Vous n'avez pas le courage. Les artistes et autres, ils sont pleins à me suivre. Certains avec leur vrai compte, d'autres avec des avatars. Ils savent comment la vie dit la vérité. Mais ils sont lâches. Ils préfèrent laisser la France détruire notre pays. La France et les Bongos. Vous savez qu'Ali est mort, il n'existe plus. Vous savez. En tout cas, moi, vous me trouverez sur votre chemin. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet audio, allez-y sur YouTube, je ne sais plus si je l'ai encore sur WhatsApp, mais allez-y sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous tapez au moins la vie, abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, donnez de la force, donnez de la valeur à ceux qui véritablement se battent avec sincérité. Le combat continue, la famille, je compte sur le grand Yajojo, pour Yajo Mamsi, pour partager au maximum l'audio, comme avant dit, le montage vidéo. On accessit les gens sur les réseaux sociaux parce que notre combat est en train de prendre un coup. Les pélégistes ont infiltré notre résistance. On a placé, on a mis à la tête du combat aujourd'hui des gens qui sont là pour endormir le peuple, pour mentir au peuple. Comment des activistes sont incapables de se poser la question pourquoi celui qu'on présente au Gabonais ne parle pas devant les journalistes? Comment est-ce possible? Pourquoi laisse-t-il le peuple croire aux mensonges qui sont en train de se passer? En tout cas, moi, je serai toujours là. Même sur le lit de la mort, je continuerai à dénoncer ce mensonge d'État, cette conspiration des États terroristes occidentaux contre le peuple du Gabon. Je serai toujours là, les gars. Bon, maintenant, je vais partager mes audios sur WhatsApp. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Maintenant, je suis de retour. Parce que j'ai vu que les pélégistes, ils ont un peu trop pris la confiance. On va les asphyxier sérieusement. Asphyxier. Je compte sur vous pour les partages. Créez des listes de diffusion dans vos contacts et partagez un maximum de personnes dans tous vos groupes de travail, les groupes de famille, les groupes d'école. Même à ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas écouter ma voix, partagez. Ils vont souffrir de m'écouter. S'ils ne sont pas contents qu'ils vous bloquent. Mais ils souffriront de m'écouter. Parce que d'ailleurs, ils font semblant de dire aux gens de ne pas me partager, de ne pas partager mes actualités, mais ils viennent me suivre en cachette avec leurs avatars. Ok, donc merci la famille, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je me suis reposé, mais c'est bon, on va reprendre les activités. Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour mettre des cœurs et des pouces sur le live. Merci à tous ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le combat continue. Et n'oubliez pas, le combat ne se résume pas à parler sur la toile. Nous devons passer de la parole à l'action. Nous sommes des bantous, les hommes bantous ne parlent pas beaucoup, ils parlent et ils agissent. Nous sommes des guerriers. Nous devons passer de la parole à l'action. Et ne soyez pas des hommes de peu de foi, comme certains de mes frères activistes. Nous sommes capables de nous organiser pour appeler le peuple à la désobéissance civile, comme nous l'avions fait le 15 décembre 2021. Nous sommes capables de le faire, si nous avons véritablement la volonté de voir notre pays se libérer. Nous n'avons pas besoin d'un tel ou de que qui soit au pays où c'est là, non. C'est la diaspora qui a appelé au concert de Casserole. Ça a été une réussite. C'est cette même diaspora qui a appelé à la ville morte du 15 décembre 2021. Ça a été une réussite. J'ai participé. Certains se sont frappés les poitrines, autocongratulés, disant que la réussite de la ville morte du 15 décembre 2021, c'était eux. Et puis ils ont lancé une ville morte le 14 et le 15 janvier 2022. Au moins, la Vichy n'a pas parlé. Ils ont pris conscience que non, il manquait quelqu'un, il manquait une voix autorisée. L'homme intègre. Le combat continue, la famille, le Gabon libre, la mort, nous vaincrons, c'était au moins d'amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crient vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse,
La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Oh Dieu, qu'est-ce que je suis en forme. En ensemble, ma famille, je vous aime de tout mon cœur.